n'a pas de solution. Chaque année, quand il pleut, ça devient de plus en plus grave. Chaque jour, on est dans des difficultés. Il n'y en a même pas de solution. Pour moi-même, je suis là. Mon propre enfant même est malade. Mais on est obligé de vivre dans ça. Là. Il pleut, la cour est remplie. On n'a pas WC, on n'a pas douche, on n'a rien. Dans la cour, on est sale. On ne peut pas parler d'eau dehors même. On n'a rien. On n'a pas possibilité même. On a envie de sortir, mais on ne peut pas. On n'a pas de solution. Donc, si vous pouvez nous aider, aidez-nous vraiment. Souvent même, là, nous les femmes, on est obligé de rentrer dans ça. Là. Ramasser. Verser l'eau là et puis nettoyer pour la pour que nous, des enfants, puissions pouvoir marcher. Ça, là, c'est l'eau de pluie et puis l'eau de. Je ne peux pas vous mentir. L'eau de verser, c'est l'eau de pluie. Tout est mélangé dedans. On ne peut pas vous mentir. C'est vous mentir. Moi, je vais me laver, je prends un gros bambou pour me laver dedans. Je dois verser de l'eau que je me lave. On ne peut plus rentrer, puisque c'est une douleur, ce qu'on remplit. On ne peut plus. Donc, c'est là. Quand on a les enfants, quand on sort à l'hôpital, on dit eh, bien sûr, quand on n'a qu'à quitter, où on est là, on n'a qu'à quitter, mais on n'a pas les moyens. Tu vois, on n'a qu'à changer, on n'a pas les moyens. On s'en fait malade. Même grand personne, si tu es matin à l'hôpital, c'est même chose. On n'a pas les moyens. Les enfants sont malades. C'est une pression. Avant, si mon enfant était malade, il l'a envoyé à l'hôpital. On me dit qu'il a anémie. Il a pas lui. Changer d'environnement. Changer d'environnement. Ça nous plaît pas, mais on n'a pas la possibilité. Donc on s'arrange pour arranger un peu pour pouvoir vivre dedans un peu. On vide. Donc on vide et puis souvent on pense en allant chercher les sables propres dehors pour venir verser la suie. Quand il pleut, que les enfants puissent marcher un peu. Donc c'est un peu ça quoi. Sinon nous-mêmes on est dedans. C'est quelque chose que ça nous plaît même pas, même on ne sait pas comment. On est tout en confort. C'est ça même là. C'est comme si j'ai même là. C'est nos nourritures, nos maladies, on ne sait pas. C'est Dieu même qui nous aide. Et chaque fois on a des complications vaginales, infections, tout. C'est-à-dire, on ne peut pas tout expliquer. En tout cas, mais où on est là, on n'a pas solution. Chaque fois que tu t'en vas à l'hôpital, tellement que tu es infecté même là, tu es là même là. Tu te dégoûtes, mais toi-même. Actuellement, moi-même, je parle là. Mon mari, il est malade, il est couché. Mon enfant est malade. On souffre tellement qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais ce qu'on veut là, on n'a qu'à venir nous aider.